Ok, encore une vidéo sur la relation basse-batterie. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai un acolyte, un invité spécial, en la personne de Jean-Marie, le batteur de l'orchestre Gilles Saint-Laurent. Ensemble dans cet orchestre, on a commencé ensemble d'ailleurs, je suis arrivé moi en 2001 dans cet orchestre, je suis reparti en 2005 ou 2006 et puis je suis revenu l'année dernière et lui aussi par la même occasion, on s'est retrouvé et depuis on ne se lâche plus. Donc au niveau basse-batterie, c'est important de trouver la personne qui va convenir à votre façon de groover, de jouer des lignes de basse. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que un batteur doit trouver son bassiste et un bassiste doit trouver son batteur ou ses batteurs. Hein. On peut tomber sur plusieurs types de batteurs, des batteurs funk, rock, avec un feeling particulier, des batteurs qui vont jouer en arrière du temps, plutôt en avant ou sur le temps, etc. Et pareil pour les bassistes. Alors, quand on discute avec les batteurs de la relation basse-batterie, eux aussi ils ont des avis différents suivant les bassistes sur lesquels ils tombent. Il y a des bassistes avec lesquels ils ne peuvent pas jouer parce que le feeling n'est pas là. Soit le bassiste n'est pas assez en place, assez en rythme, soit il joue trop devant, trop derrière. Et voilà, et pour les bassistes, c'est pareil. Il y a des batteurs avec qui il est impossible de communiquer musicalement. Donc la première chose, c'est d'arriver à trouver son batteur et ce qu'on aime entendre à la batterie, nous les bassistes. Alors moi, personnellement, dans ma culture batistique, j'aime bien des batteurs comme David Garibaldi, par exemple, le batteur du Tower of Power, en tout cas le premier batteur du Tower of Power. J'adore cette façon de jouer. Il y a aussi Mike Clark des Headhunters, le groupe d'Herbie Hancock dans les années 70. J'adore aussi ce jeu de batterie, très jazz funk. Voilà, après chacun va trouver ses batteurs dans le rock, la pop, etc. Il y a du Steve Gadd, Vinnie Colaiuta, plein de batteurs divers et variés, des batteurs de hard rock, bon ça après moi je connais moins. Mais chacun va trouver le batteur avec lequel il a vraiment des affinités musicales. Donc dans cette vidéo, en fait, j'ai attrapé Jean-Marie, si, je vais peut-être pas employer cette expression. Bon, pour faire cette vidéo, j'ai capté Jean-Marie lors d'une balance de l'orchestre. Donc il s'est mis à jouer un groove. Je l'ai filmé comme ça pendant quelques mesures et vous avez pu constater que par la suite, j'ai posé une ligne de basse. Alors là, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment pour les bassistes d'observer un petit peu le fonctionnement d'un batteur. C'est-à-dire que cette relation basse-batterie, il faut absolument définir les grands paramètres pour poser une ligne de basse qui soit cohérente avec la partie de batterie. Donc dans ce cas-là, comme d'habitude, hein, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'écouter la partie de grosse caisse. Et quand vous écoutez bien cette partie de grosse caisse, je vous la repasse. Elle est somme toute claire. Vous pouvez même la chanter. Alors il est possible de l'écrire, évidemment, hein, pour ceux qui préfèrent passer par l'écriture, la lecture, l'analyse. Il suffit d'arriver à repérer cette partie de batterie ou de demander à son pote batteur de nous l'écrire. Moi, ce que j'aime bien faire, moi qui suis autodidacte à la base, je me suis plutôt habitué à essayer de me chanter tout ce que j'entends. Donc vous avez vu que dans cet exemple, j'ai pris une partie de basse vraiment assez simple pour illustrer un petit peu la chose. J'ai pris une bonne vieille gamme pentatonique mineure avec une seconde quand même ici. Thank you.
la tonalité préférée des bassistes, pour le slap notamment. Bon voilà, alors faut dire que Jean-Marie il a un style aussi de batterie assez puissant, clair, précis, assez rock dans l'esprit. Donc du coup, ça m'a inspiré pour jouer un petit groove de basse assez rock par-dessus. Alors vous noterez que sa partie de batterie, elle tient en deux parties. Une première partie où il tient une cymbale avec son groove. Et la deuxième partie où il passe sur la charlotte. Donc du coup, ça nous oblige, nous les bassistes, à réagir différemment pour la ligne de basse. Avec la cymbale, le jeu est plus puissant, il y a plus de volume, plus de dynamique. Donc, je vais plutôt fournir... Je vais plutôt fournir en nombre de notes pour essayer d'égaler au niveau du volume. Sur la deuxième partie, quand il passe au charlet, le volume d'ensemble est beaucoup plus clair, plus calme. Donc du coup, moi aussi... Je sais plus ce que j'ai fait. Moi aussi, je vais éclaircir ma ligne de basse et vraiment essayer de coller au maximum à la grosse caisse. Donc quand on joue en groupe, encore une fois, c'est super important de se connecter au batteur avec qui l'on joue. Si vous n'avez pas le feeling, en plus si vous n'avez pas un feeling humain particulier avec lui, c'est possible hein, de jouer de la musique quand même, quoi. C'est possible, mais c'est quand même l'idéal d'avoir une bonne relation déjà amicale avec son batteur et pour avoir vraiment envie de jouer et de faire au mieux avec lui, quoi. Bon, il peut arriver aussi, et ça je le vois dans des ateliers, dans des jeunes groupes, qu'on soit super pote avec un batteur, mais que musicalement, ça le fasse pas. Pour X raisons, soit à cause de vous, soit à cause de lui, mais c'est un bon pote, par contre, basse batterie, ça fonctionne pas. Là aussi, quand on a un projet de groupe, au bout d'un moment, il faut savoir prendre la bonne décision. Et c'est quoi la bonne décision ? Bah, c'est soit vous partez, soit vous changez de batteur. Alors la ligne de basse en elle-même, elle est assez simple, somme toute, ça fait un truc comme ça la première partie. Un truc comme ça, hein. Et merde, la deuxième ligne de basse, donc plus claire, vraiment que les grosses caisses. Donc voilà, en conclusion, essayez au maximum d'être en relation, de comprendre comment fonctionne une batterie, c'est super important, et de coller au maximum avec elle, soit par la grosse caisse, soit par la charlée, on l'avait déjà évoqué dans une autre vidéo. Bref, il faut arriver à trouver des connexions entre la basse et la batterie, c'est super important.